Bonjour, bonjour. Ah ben vous êtes au rendez-vous comme chaque jour, Monsieur Karim Sbey, donc président de l'Ordre des architectes, Conseil du Centre. Ravi, vous êtes entouré du secrétaire général que nous avons reçu sur le plateau. Mais bien évidemment, Najwa Oudihi. Oudihi. Alors, un peu d'humour, effectivement, dans ce CIB, et parlez-nous un peu de... Bah, vous avez un espace quand même qui est central, hein, bien exposé, qui permet... Et cette architecture est intéressante aussi, un peu originale. Quel était le but de faire une installation dans ce style? Alors, le but d'avoir un emplacement aussi stratégique, c'est d'être au centre d'intérêt de tous les visiteurs de ce salon. Déjà, parce que on est la rotule la plus importante dans le maillon de la chaîne de bâtir, quoi. Et donc, l'avantage d'être ici, au niveau central, c'est d'être connecté avec tous les passagers, avec toutes les entreprises qui sont là. Et c'est un carrefour où il y a toujours des rencontres, aussi bien entre nous qu'avec les entreprises ou alors avec les visiteurs qui ne connaissent pas forcément l'Ordre des architectes. Et notre rôle, un petit peu, c'est de vulgariser tout ça et surtout d'aider et d'accompagner les entreprises qui sont dans ce salon. Alors, une vraie innovation de la part des architectes ici. Parlez-nous de vos impressions, Najwa, depuis quelques jours. Là, on est quand même au quatrième jour. C'est intense, c'est dense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez de par ce qui s'entend et de ce qui se dit au niveau du secteur? Je pense que quand même, je me réjouis déjà de l'affluence des visiteurs, même si on est en pleine coupe mondiale. Je me réjouis aussi de la centralité de notre stand, qui est finalement une plateforme tournante. C'est le cas d'ailleurs, c'est à l'image de son aménagement. Et je pense aussi qu'il y a eu, c'est un franc succès, franchement, que ce soit au niveau des organisateurs, du niveau d'organisation, du niveau des stands, du niveau des produits qui sont exposés, surtout qu'on est dans le Made in Morocco. Et non, franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est un bon retour. Merci. Un petit témoignage aussi de ce côté en tant qu'architecte. Écoutez, moi je pense que ce salon est assez bien réussi par rapport aux éditions précédentes. Elles étaient bonnes aussi, mais celui-là est encore meilleur. Comme l'a bien signalé ma consoeur, par rapport à la présence, par rapport au nombre de visiteurs, l'organisation que je salue vivement. Donc voilà. Merci. Alors, très bien. Oui. Hier, on a eu des témoignages très importants par rapport à ce salon. Nous avons eu des confrères et des consoeurs qui ont l'habitude de travailler à l'international et qui nous ont dit que ce salon n'a rien à envier aux autres salons, que ce soit Batimat ou autre. Donc on a de quoi être fier. Et bravo à Urbacom en particulier. Voilà, merci Karim Sbey, merci l'Ordre des architectes, Conseil du Centre, dans cet espace qui est en fait une plateforme d'échange et de rencontres pensée pour fédérer un peu l'ensemble des acteurs du secteur. Merci, à bientôt.